Tenez bon, madame. Vous leur parlez toujours, avant de les abattre? Me fichu pour vous. Il manquait plus que ça. Je vais lâcher mon chien sur vous, pouilleux. Hé, du calme. Je demandais juste pourquoi vous parliez à un arbre. Mais après tout, ça ne m'importe pas. Non, attendez. Je suis un peu à cran, parce que des canailles viennent se moquer de moi. Mais vous, vous êtes... Vous êtes qui, au juste? Un sorceleur. Je m'appelle Geralt. Pourquoi les gens se moquent de vous? Minute. Un sorceleur, dites-vous? Comme dans Contes et Fables de Luis Herrera? Je suis plus verni qu'un fichu léprechaun. Personne par ici ne veut croire que cet arbre est Daphné, la femme maudite de la légende. Mais vous, vous pourriez lever la malédiction. Vous n'êtes pas un peu trop vieux pour croire à ces histoires? Je pourrais vous rentrer dans le lard, sorceleur. Attention, mon âge ne vous regarde pas une seconde. C'est vrai. Tout comme ce en quoi vous croyez. Content qu'on partage le même point de vue. Pourquoi croyez-vous qu'il y a une femme maudite dans cet arbre? Eh bien, j'étais sorti avec Morolt pour l'abattre. J'ai levé ma hache et frappé un grand coup. Le fer s'est enfoncé profondément dans le tronc, et là, du sang s'est mis à gicler. J'étais complètement scié. Mais j'ai tout de suite compris. C'est comme dans le conte de Daphné, Gareth et la sorcière de la butte du lynx. Dans les contes et fables d'Herrera, c'est ça? Je veux mon neveu. Deuxième édition corrigée in octavo. Je connais ces contes par cœur. Ma mamie me les lisait pour m'endormir. Elle devait vous les lire de bout en bout. Colophon compris. Vous avez piqué ma curiosité. Vous croyez vraiment que les vieux contes disent vrai? Vous me prenez de haut? Ou vous me croyez dingue? Ce n'est pas ça. En ces temps troublés, il n'y a pas de chevalier au cœur pur ou de fin heureuse. Alors je croise peu de gens comme vous. C'est vrai, c'est une sale période. Mais raison de plus pour se souvenir des contes. Ma mamie disait, si tu ne sais pas quoi faire, pense au chevalier au damier et à la noble Alondra. Demande-toi quel chemin il choisirait. Elle m'a tant martelé cela que je ne pourrais point agir autrement, même si je le voulais. Laissez-moi voir cet arbre. Hé, attention! Tenez bon, madame! Bien les sanglots dans le bruissement des feuilles. Il saigne vraiment. Et on dirait du sang humain. L'écorce ressemble à des cicatrices hypertrophiques par endroits. Mon médaillon vibre fort. Une magie puissante est à l'œuvre ici. Du sang. Il a suinté du côté où se trouve l'arbre. D'après la forme de la tâche. Le bûcheron s'en tirait bien. Étrange. Le sol est isolé. Aucun autre arbre en proximité. Alors, avez-vous regardé l'arbre de près?
Il saigne bien. C'est incroyable. Une vraie merveille. Ne vous l'avais-je point dit ? Mon aide est loin d'être gratuite, vous savez. Vous parlez à un simple bûcheron. Je suis fauché comme les blés. Entendu. Je paierai dès que la jouvencelle sera libre. Je veux bien vous aider, mais je dois d'abord comprendre par où commencer. Inutile, je sais tout. Mademoiselle Daphné et Sir Gareth s'aimaient d'un amour passionné. Pourtant, pour se montrer digne de sa main, Gareth devait affronter la sorcière de la butte du lynx. Avant que Sir Gareth ne parte pour la butte, Mademoiselle Daphné lui donna son mouchoir en guise de faveur. Et je parie qu'il n'est jamais revenu. En effet, elle resta là jour après jour, nuit après nuit, en espérant l'apercevoir. Jusqu'à ce qu'elle prenne racine et se transforme en arbre. Je me demande pourquoi. Je vais vous le dire pourquoi. Pour attendre le retour de Gareth, mouchoir à la main. C'est le pouvoir de l'amour. Le pouvoir du désir. Vous devez donc gravir la butte du lynx et y trouver un moyen de libérer Daphné. Je vais vous donner un livre de compte. Bonne chance, sorceleur. Tout doux, maintenant. Où ils cachent leurs pattes, les serpents? Moins vite. Pas, mais elle reste quand même une menace. Sorcière. La cabane semble inhabitée. Aucune trace de son occupante. Je vais chercher ailleurs. C'est chaud. L'odeur ne me dit rien. Quels ingrédients peut-il y avoir là-dedans ? Libère Ivonis. Le conclave des mages a banni cet ouvrage. Des os réduits en poudre.
De quoi amplifier des sorts ou des trophées. Une flèche cassée en deux. Sûrement pour porter malheur à l'archer. Une branche de vigne. Peut-être pour garantir une bonne récolte. Ou une mauvaise. Cette poupée dirait un accessoire pour lancer des malédictions. Un mouchoir en soie avec un monogramme. DF. S'il était à Daphné, il pourrait briser la malédiction. Il n'y a guère que des chats sauvages qui rôdent par ici. Mais on dirait que j'ai un invité. Et il vient de loin. Que cherchez-vous chez moi? Plus rien, en fait. Vous ne comptez point lever la malédiction de la fille arbre, dites-moi. Et si c'était le cas? Je vous dirais que vous perdez votre temps. Votre grand-mère ne vous lisait-elle point les vieux contes? Même moi, la sorcière de la butte du lynx, je ne pourrais vaincre le pouvoir de l'amour et du désir. Le chevalier de la dame, est-il parvenu jusqu'ici? Sir Garrett? Oui, il est venu m'affronter. Mais ses sentiments ont vite changé. Pour être franche, ils ont changé après notre première nuit ensemble. Il est resté assez longtemps. Et puis, sa conscience a repris le dessus. Et il a décidé de retourner auprès de sa bien-aimée. Peut-être, mais il ne l'a jamais retrouvée. Il a connu un sort tragique en chemin. Et vous n'avez rien à voir avec ce qui lui est arrivé? Bien sûr que si. Allais-je laisser une autre femme avoir un homme qui m'appartenait? Non, cela m'était insupportable. Et si je vous demandais gentiment de lever la malédiction? Garrett a eu le sort qu'il méritait, et je ne suis pour rien dans celui de sa belle. Vous n'avez pas jeté la malédiction, d'accord. Mais pourriez-vous la lever? Probablement, mais pourquoi le ferais-je? Je m'humilierai. Me prosternerai devant vous, comme Garrett dans le conte. Je vous implore de m'aider. Levez la malédiction qui a emprisonné Daphné dans l'arbre. En vous voyant entrer dans ma cabane, je me suis dit... voilà un homme qui ne courbera jamais les chines. Levez-vous. Personne, pas même moi, ne peut rendre à cette fille les années qu'elle a perdues ou effacer les souffrances qu'elle a endurées. Il est impossible de la ressusciter. Mais je vais vous expliquer comment lui permettre de partir en paix. Mon aide, cependant, n'est pas gratuite. Elle vous coûtera une mèche de cheveux. Et comment puis-je être sûr que vous ne l'utiliserez pas pour me lancer un sort? J'en ai besoin. Il me la faut pour lancer un sort qui me cachera de vous à jamais. Je ne m'en servirai pour rien d'autre. Vous ne viendrez plus m'ennuyer. Vous n'avez rien à craindre, je vous l'assure. Je tiens toujours parole. Je n'ai pas confiance en vous. Vous n'aurez sûrement pas mes cheveux. Je vais briser cette malédiction sans votre aide. Bonne chance, je ne vous retiens point. C'est tout? Vous me laissez partir? Je n'aurais pu imaginer de meilleure conclusion pour ce conte. Cette visite est terminée. Adieu, nous ne nous reverrons jamais.
Alors, vous avez dû rencontrer la sorcière. Qu'avez-vous appris ? La sorcière est moins mauvaise qu'on me le dit. J'ai dû faire des courbettes, d'accord, mais je connais des sorcières plus vicieuses qu'elle. C'est une excellente nouvelle, merci. Mais que fait-on pour Daphné ? Le mouchoir de Daphné. On va s'en servir pour lever la malédiction. Mais il faudra patienter. Au moment propice, j'allumerai 4 feux aux 4 vents, puis j'entamerai le rituel. Des feux ? Je vous serai utile dans ce cas. Il va vous falloir du bois. Beaucoup de bois. Coupez-en un maximum. Je m'occupe du reste. J'ai coupé et empilé le bois. Et maintenant ? Maintenant, à moi de jouer. Je vais allumer les feux et parler à la femme enchantée dans l'arbre. J'ignore comment ça va tourner, alors, par précaution, restez à distance. Et si vous me voyez tirer mon épée, fuyez. Contemple une dernière fois les 4 vents du monde. Du sud, pas un mot. De l'est, aucun cri ne provient. Du nord, le silence soupire. De l'ouest, observe des yeux vides. Cesse de veiller, il est mort. Entends-moi, toi qui te caches sous cette écorce. Aujourd'hui, rappelle-toi qui tu es vraiment. Vois ce mouchoir, preuve de ton amour pour un autre. Les ailes des fées ! Que diable s'est-il passé ? Désolé. Je m'y suis mal pris pour lever la malédiction. Je l'ai arrachée à sa prison, au lieu de la libérer. Le choc a été trop rude. Elle a libéré toute la rage et la douleur qu'elle avait en elle. Bon sang de bois. Ça m'apprendra à engager un branquignol. Au moins, la dame ne souffrira plus dans l'arbre. Maintenant, prenez votre argent et partez. Un mouchoir en soie avec un monogramme. D.F. S'il était à Daphné, il pourrait briser la malédiction. Il n'y a guère que des chats sauvages qui rôdent par ici. Mais on dirait que j'ai un invité. Et il vient de loin. Que cherchez-vous chez moi ? Plus rien, en fait. Vous ne comptez point lever la malédiction de la fille arbre, dites-moi. Et si c'était le cas ?
je vous dirai que vous perdez votre temps. Votre grand-mère ne vous lisait-elle point les vieux contes ? Même moi, la sorcière de la butte du lynx, je ne pourrais vaincre le pouvoir de l'amour et du désir. Et si je vous demandais gentiment de lever la malédiction ? Garrett a eu le sort qu'il méritait, et je ne suis pour rien dans celui de sa belle. Vous n'avez pas jeté la malédiction, d'accord. Mais pourriez-vous la lever ? Probablement. Mais pourquoi le ferais-je ? Je m'humilierai, me prosternerai devant vous, comme Garrett dans le conte. Je vous implore de m'aider. Levez la malédiction qui a emprisonné Daphné dans l'arbre. En vous voyant entrer dans ma cabane, je me suis dit... Voilà un homme qui ne courbera jamais les chines. Levez-vous. Personne, pas même moi, ne peut rendre à cette fille les années qu'elle a perdues ou effacer les souffrances qu'elle a endurées. Il est impossible de la ressusciter, mais je vais vous expliquer comment lui permettre de partir en paix. Mon aide, cependant, n'est pas gratuite. Elle vous coûtera une mèche de cheveux. Et comment puis-je être sûr que vous ne l'utiliserez pas pour me lancer un sort ? J'en ai besoin. Il me la faut pour lancer un sort qui me cachera de vous à jamais. Je ne m'en servirai pour rien d'autre. Vous ne viendrez plus m'ennuyer. Vous n'avez rien à craindre, je vous l'assure. Je tiens toujours parole. Je vais me fier à vous. Même si je sais que c'est une erreur. Tenez, mes cheveux. Formidable. Qu'est-ce que je dois faire ? Convaincre la Vierge que son bien-aimé désirait revenir, mais qu'il a échoué dans sa tentative. Prenez son mouchoir en soie et un fragment des restes de Garrett. Ses os blanchissent dans la grotte sous ce rocher. Le feu doit consumer le mouchoir et les restes. Et n'oubliez point que votre cœur doit être pur comme vos intentions. Compris ? Oui. Merci pour votre aide. De rien. Et adieu. Quand vous aurez franchi cette porte, nous ne nous reverrons jamais.
l'armure de chevalier des eaux. Ce seraient les restes de Garrett. Pourquoi l'armure s'est disloquée? L'œuvre de la magie ou juste une chute de pouvoir retourner à l'arbre? Levez la malédiction. Ah! Alors, vous avez dû rencontrer la sorcière. Qu'avez-vous appris? Je peux lever la malédiction, la libérer, en accomplissant un rituel, en sacrifiant son mouchoir et les restes de Garrett. Mais il faudra patienter. Au moment propice, j'allumerai quatre feux aux quatre vents, puis j'entamerai le rituel. Des feux? Je vous serai utile dans ce cas. Il va vous falloir du bois. Beaucoup de bois. Coupez-en un maximum. Je m'occupe du reste. J'ai coupé et empilé le bois. Et maintenant ? Maintenant, à moi de jouer. Je vais allumer les feux et parler à la femme enchantée dans l'arbre. J'ignore comment ça va tourner, alors, par précaution, restez à distance. Et si vous me voyez tirer mon épée, fuyez. Contemple une dernière fois les quatre vents du monde. Du sud, pas un mot. De l'est, aucun cri ne provient. Du nord, le silence soupire. De l'ouest, observe des yeux vides. Cesse de veiller, il est mort. Entends-moi, toi qui te caches sous cette écorce. Aujourd'hui, tu seras libre. Vois ce mouchoir, preuve de ton amour pour un autre. Voici un os de celui à qui tu as offert ton amour. Garrett, mon Garrett, il ne reviendra jamais. Non, c'est vrai. A-t-il cessé de m'aimer? Est-il resté fidèle? Garrett est resté fidèle jusqu'à la fin de ses jours. Il est temps que je parte. Je n'ai que trop attendu, trop souffert, et je désire maintenant disparaître. Adieu, madame. Merci, étranger. Quant à vous, mon chevalier, merci de m'avoir parlé et d'avoir veillé à mes pieds. Je ne pensais point que ça finirait ainsi. J'espérais que nous la ranimerions. Mais ça devait être impossible. Nous avons fait notre possible. Vous avez fait du bon travail. Tenez, votre argent. Vous pouvez aussi garder le livre. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir, sorceleur. Je dois réfléchir, mettre de l'ordre dans ma tête.